Oui, il a toutes les chances de prendre ce ballon d'or. La région, quand il a maintenant une Coupe d'Afrique et il est en finale de la Ligue des Champions, une fois qu'il va remporter ça, il sera le premier favori quand même, selon moi. Oui, d'autant plus que Sadio Mané aujourd'hui fait partie des meilleurs joueurs de Liverpool. Je ne dirais pas le meilleur joueur, mais le meilleur joueur de Liverpool. Sadio Mané, c'est ce joueur qui a remporté quand même la Coupe d'Afrique des Nations pour le Sénégal. Sadio Mané, c'est quand même celui-là qui a réussi quand même à marquer 3 buts en Coupe d'Afrique des Nations et qui aujourd'hui est parmi les meilleurs buteurs de la Première Ligue en concurrence directe avec son compatriote. Non, en concurrence avec son partenaire Mohamed Salah. Mais il a quand même sa place, même si c'est vrai, il y a des joueurs qui sont quand même un peu favoris, qui sont quand même favoris en tout cas par rapport à ce ballon d'or, notamment je parlais de Karim Benzema. Mais quand on prend actuellement l'état de forme actuel, on dira oui, Sadio Mané, pourquoi pas, a bel et bien sa place en tout cas parmi les prétendants au titre de ballon d'or. Oui, bien sûr, Sadio Mané, il est bien parti pour remporter ce ballon d'or-là parce que vous avez vu ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire en club et ce qu'il a fait au niveau de l'équipe nationale du Sénégal. C'est un leader parce qu'il a aussi aidé le Sénégal à remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Au-delà de ce leadership-là, c'est un excellent joueur et il a fait qualifier aussi le Liverpool en finale de Ligue des Champions. Je pense bien qu'il est parti. Et si toutefois il remporte cette Ligue des Champions-là, il est bien parti aussi pour remporter ce ballon d'or-là. Et je pense bien que Sadio Mané, il a 80%, 90% ou bien 95% de chances pour réussir, pour remporter ce ballon d'or-là. Mais j'ai dit que ça dépendra certainement de la finale. Mais quand on regarde un joueur comme Karim Benzema qui a quand même permis au Real d'être en finale, qui a marqué 14-15 buts pour le Real Madrid, et voilà, qui est pratiquement à coup sûr l'homme idéal aujourd'hui avec le Real, meilleur buteur de la Liga, on dira forcément que voilà, Karim Benzema est parti pour remporter ce ballon d'or. Mais ça n'exclut pas en tout cas du côté Sadio Mané, parce que là, le vote aussi interviendra. Donc la finale va départager ces deux protagonistes. Si toutefois Sadio Mané remporte ce ballon d'or-là, ça serait aussi une fierté pour l'Afrique, parce qu'après George Weah du Libéria, personne n'a eu le ballon d'or. Donc ça serait une fierté pour l'Afrique et surtout pour le Sénégal, nous, ses fans. Donc je pense bien, Sadio Mané, il va remporter ce ballon d'or-là, Inch'Allah.